get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Start my Ok, mais c'est au total total ou c'est par... Total. Vous pouvez faire confiance aux images par rapport au nombre de d'accord, ok. Qu'il y a dedans. Sur l'image, c'est ce qu'il y a vraiment. Voilà, sur l'assiette. Ok. Donc s'il y en a 4, il y en a 4. La sauce sucrée, c'est la grande. D'accord. La sauce salée, c'est la petite. Ok. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Ça marche. Et bon appétit. Merci. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un restaurant où j'ai fait une réservation, ça fait 3 mois. Il y a moyen 3 mois qu'on a fait la réservation pour arriver et c'est Shinko. J'espère que j'ai filmé la partie où le mec expliquait comment ça marche. En gros, il y a une tablette, on choisit les trucs. Il y a 5 tours, 10 commandes par tour, ce qui nous fait 50 commandes au total avec les trucs de règles de gaspillage, etc. etc. Et ce qu'on va faire avec Thomas, on va prendre un peu de tout, on va partager et à la fin, on va donner une note sur 10. C'est une sorte de volonté limitée, mais vu le nombre de trucs, c'est pas vraiment limité. Je pense pas que tu puisses tout prendre et être. Et avoir encore de l'espace dans ton ventre. Bref, là j'ai la soupe miso qui est arrivée, on va la goûter et on va filmer tout ça. Déjà on va commencer par tester la soupe miso. En vrai elle est bonne, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement ouf comparée aux autres soupes miso. Le premier qui est arrivé, premier plat, salade de bœuf. Ensuite on a eu des karaage, salade de bœuf et tempura. Je vais commencer avec les karaage. C'est bon un peu. Bon. Super croustillant. La panure. Non, en vrai, à vous. Non. Non, mais à vous. C'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. J'ai l'impression que c'est les premiers vrais karaagés que je mange. Ouais. Je vais tester maintenant la salade de bœuf. Le bœuf est de bonne qualité. Mais sinon, il faut que ça manque un peu de salade, d'une sauce qui va faire que ça fasse vraiment salade. Mais sinon, c'est bon. On va commencer la deuxième commande pour prendre de l'avance. Ici, franchement, c'est. Tu veux dire, vas-y. Les Rainbow Ball, Dragon Ball. Rainbow Roll. C'est où les Dragon Ball? Oh oui. Ah mais on peut en fait prendre des sushis du coup dans l'autre truc comme ça on combine. Genre ouais ceux-là. Mais la cassette, oui mais du coup prends l'autre, c'est pas. Prends deux, ouais. Et la dernière, non l'avant-dernière, parce qu'il reste les takoyaki, l'avant-dernière c'est les kyoza. Non mais c'est même aussi. Ah ouais? C'est même avec du rail. Là où on a eu les nems, c'est des nems ou quoi? Poulet? Le poulet et crevettes. Nems, poulet, nems, crevettes. Ici on a eu les takoyaki. Ensuite on a eu les raviolis. Vapeur. Et là on a les rolls. Mais ça c'est un truc du deuxième round qu'on a eu avant le premier. Et ça c'est un truc du deuxième round qu'on a eu avant le premier round. Ah ouais. Le takoyaki. J'ai toujours une masterclass. Toujours. Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3, drink some water, brush my teeth, get out of bed and I stretch, bed and my hair is a mess. J'ai pris une bouchée avec la fraise au-dessus, mais ça change tout en fait, c'est le masterclass ce truc. Ouais, ensuite, on a le bao bœuf et le bao poulet. Imagine ça, le bao poulet. En fait, ils ont juste mis un karaage. Ensuite, on a des sashimi avec des œufs de poisson dessus.
Et là, c'est des petites bouchées qu'on prend hein, pour tout tester. Du poisson cru et ici c'est du bœuf. Du bœuf, du bœuf. Avec une sauce au-dessus. Et on continue le tour avec les petites bouchées. Hein. Ensuite, on a le canard laqué qui a l'air moins fat. Il est moins fat que dans les photos. Hein. Ah, parce que là, il est plus tasté. Le chinko spécial, crevette. Voilà. La sauce là. Il est très gras. Très sucré. Mais ça reste très bon. Tu te vas coûter le plat aux crevettes, le chinko spécial. C'est quoi ce truc blanc? Je sais pas. Ah, c'est du calamar, du poulpe, je sais pas. Ah ouais, c'est grave hein. Oh là c'est grave. Calamar. Ouais, cool, je voulais te dire, wesh. Et je me rappelle plus, celui-ci il appartient à quel tour? Au 4ème ou au 3ème? Au 3ème. Oh mon dieu, 3ème. Et c'est des sashimi avec. Ça, c'est toi seul qui bouffe ce truc, hein? Jamais je ne sais pas. Juste non, c'est chelou. Tour 4, on a repris des takoyaki. Et les restes des tours 3, c'est des millefeuilles. Millefeuilles? On a. C'est tout ça, je vais pas le dire, hein? Tout ça. Vas-y, écran 2 maintenant, écran 2 Thomas, écran 2. C'est grave. Tour 2, on a pris ça. Tour 3. Tout ça. Et tour 4. On a pris ça. Et si en vrai le tour 5, on pouvait prendre les desserts, on l'aurait pris, mais les desserts sont payants. Du coup, bah, pas de tour 5. Il reste 4 pour le tour 4. Tour 4, je sais pas ce que c'est. Tour 4. Attendu de 20h20 à 40 minutes pour avoir ce tartare. Oui, c'est pas prévu. Et 40, oh mon dieu. On sort du coup de Shinko. Très bonne expérience au final, à part peut-être l'attente de 40 minutes pour 5 grammes de tartare. Mais sinon, c'était bien. Et j'attendais de sortir pour donner du coup la particularité de Shinko. Il n'y avait que des couples. C'était très malaisant quand je m'en suis rendu compte. Bah lui, il s'en était pas rendu compte. Mais tu regardais à gauche, c'était en couple. Mais tu regardais à droite, c'était en couple. Tu regardais toutes les tables, c'était que des couples. Nous, on était là, deux mecs. C'était très malaisant. Bref. C'est homophobe. Mais je suis pas homophobe. Mais c'est bon, il veut me faire rentrer dans des débats, je vais me faire comme celle et tout. Bref. Non, c'était une très bonne expérience. Le prix, on a payé 35,90, c'est ça? 35,90 pour 50 plats au total. On n'a pas fait les 50 plats. Je pense que c'est chaud même de faire les 50 plats. Après, pour le prix, il y a beaucoup de choses que je trouve c'est surcoté. Genre les trucs de bif qui entourent 5 herbes là. Merci bien. Bref. Mais sinon, c'était bon. Si je dois donner une autre, je pense qu'on reste sur un 8,5, 9. Parce qu'en vrai, c'est de la qualité. Mais je trouve que c'est un truc qui graphiquement a l'air très beau. Mais en fait, wouh, Marilyn Monroe, certains trucs graphiquement a l'air stylé, mais au niveau du goût, c'était pas forcément ouf. Bref, 8,5 sur 10. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à y aller. La prochaine fois que j'y retournerai, ce sera avec une fille, hein, Inch'Allah. Et voilà. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez les questions, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et n'oubliez pas, we all gonna make it.